Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Omarhaba bikoum mara okhra fi silsila shayqa li ta'allum al-qira'a wa kadhalika dabt al-qawa'id al-asasiya li al-lugha al-faransiya. Nous sommes arrivés à la page 26. Aujourd'hui, on va faire cette page et aussi la page suivante, la page 27. Alors, comme d'habitude, regardez avec moi et dites-moi qu'est-ce que vous voyez sur cette image. Je vois sur l'image, je répète, je vois sur l'image une petite fille ou bien un bébé qui mange la soupe. Qui mange quoi? La soupe. Alors on va dire la petite fille a faim. La petite fille a faim. Et après on va voir la locution verbale avoir faim et avoir soif. Alors, je vois sur l'image une petite fille qui mange la soupe car elle a faim. On passe ici. B. Voici un joli bébé. Voici un joli bébé. Bébé a une jolie robe. Voilà la robe. Alors la petite fille porte une jolie robe. La balle, la banane, la robe, le bord, le buvard, la barbe, Robert a bu, le bras, bu, la banane, la robe, le lavabo. Et maintenant, on passe à la page 27. La balle dit banane. Alors, combien de bananes ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on va dire, il y a 10 bananes. Alors, si on a dit après 10, si on a dit le médoud, il y a un objet ou bien quelque chose, x, et on va dire, au lieu de dire 10 bananes, on va dire 10 bananes. La robe, voilà la robe, c'est une robe rouge. Le buvard, le lavabo, voilà, il y a de l'eau dans le lavabo. Le robinet, voilà, il y a deux robinets dans ce lavabo. Le butane, aussi on l'appelle une bouteille de gaz, la barbe, voilà la barbe. Voilà, cet homme a une barbe noire, barbe yellihia. Une robe, voilà une robe. Un tube, ma balle, voilà la balle, ma, yani li, korati, ma balle. Une
banan. بالنسبة لهاد لي لك له لي ديتيرمينون بوسيسيف راه ديجا كنت درت عليهم واحد الحصة غادي تلقاوها في لاشين ديالي بعنوان لي ديتيرمينون بوسيسيف. بو ان بو فار. رني a bu, le verbe boire, yani shariba, au passé composé. Bi, tu habites là, tu habites là, hel teskunona, c'est le verbe habiter. Bo, le lavabo, la bobine. Les phrases. 1. Papa n'a pas de barbe. Voilà, papa n'a pas de barbe. Cet homme a une barbe, mais papa n'a pas de barbe. 2. Donne la pipe et le tabac à papa. 3. Rémi n'a pas pu. N'a pas pu quoi? N'a pas pu quoi? N'a pas pu lire. Rémi. 4. As-tu vu la bête sur le mur? 5. Mina lave la robe de bébé. 6. Bébé a bu, le verbe boire. Yani shariba, fil le madi, passé composé. Bébé rit, c'est le verbe rire, yadhak. La mère a mis bébé sur le tapis. René donne la balle à bébé. 7. Mina a mis bébé sur le lit. Plus de balles. Bébé dort. Dort, c'est le verbe dormir. Et nienem, on va voir, inshallah, on va le conjuguer au fleu présent. Et maintenant, on passe à la suite. Alors, comme d'habitude, maintenant, on passe pour faire un peu de langue. Ndirou chouye dial Laura. Tout d'abord, voilà un exercice d'écriture, dit le kitaba. Prenez un cahier et écrivez avec moi ces phrases. Voilà, il y a 6 phrases. La phrase 1, la fillette. La fillette, ou tasrir, dit la fille. Il y a une fête tasrir. Et on dit la petite fille, on peut dire la fillette. Voilà, on a ajouté ce suffixe. Et, fillette. Afin, il y a une fiha, il y a une jaïa, afin. Afin, c'est la formule verbale avoir faim. Yani yuhissu bil jou', ahna ghanchoufou min ba'd ghan conjugué au présent. La fillette a faim. 2. Elle mange la soupe. 3. Elle porte, tertedi, elle porte une jolie robe. Voici la chfna qboila l'image. 4. Papa n'a pas de barbe. Yani laysat lahu lihya. 5. Mina a mis bébé. Ami, c'est le verbe mettre. Et ni wada atra. Déjà que nous avons bébé sur le lit. Et on a déjà vu ce que ça veut dire le lit. 6. Bébé dort. Yenamu. Kif, comment? Tranquillement. Bihudo. Yeni hat tranquillement. C'est la manière avec laquelle il dort. Yeni huel hel. Kif, enam. Tranquillement. A tranquillement. Randir le tableau. C'est un adverbe. Voilà la classe grammaticale d'Yalo. C'est un adverbe. Il n'y a pas tranquillement. Voilà le vocabulaire à apprendre. Il y a un peu de temps à dire le carnet d'Yalo. Parce qu'on ne peut pas faire des fautes d'orthographe. Alors aujourd'hui, dans cette lecture, on a vu quelques noms, des verbes et des adverbes. Et dans les noms, il y a la faim, la soupe, la barbe, et la soif, la attache. Les verbes. عندنا avoir faim là لاحظتوا هذه تركيبه فعليه avoir faim يعني يحس بالجوع il y a avoir soif يحس بالعطش et dormir ينام حنا نكونجيغيهم après au présent on a les adverbes maintenant les adverbes les voit tranquillement يعني بهدوء بالنسبه les adverbes راه غالبا تيجيو avec les verbes ou bien les adjectifs pour nous montrer la manière avec laquelle ils se produisent. Question de compréhension, il y a 3 questions. La question 1, que vois-tu sur l'image? Que vois-tu sur l'image? La chnakbaïla l'image, on a dit sur l'image, je vois ara ou atkoliyeshun tetchoufou. Qu'est-ce qu'elle porte la fillette? Qu'est-ce qu'elle porte? Mada tartadi? La fillette porte, on a déjà
Donnez la réponse. 3. Comment dort-il? Le verbe dormir, yani كيف ينام. Le comment, c'est le mot interrogatif, yani il y a le كيف. Comment? Comment dort-il le bébé? Le bébé dort. Voilà, je vais vous parler de l'adverbe li chfna dabe chi chouya. Pour la conjugaison, il y a avoir faim, yuhissou bil jou, il a pris mon col, ana uhissou bil jou, présent de l'indicatif, j'ai faim, anta fi kajou, yani anta ja'i, tu as faim, il a faim, nous avons faim, vous avez faim, ils ont faim. Pour l'attache, on dit avoir soif, j'ai soif, tu as soif, il a soif, nous avons soif, vous avez soif, ils ont soif. Et pour le verbe dormir, yani ana anam, je dors, tu dors, il dort. Voilà, les lettres sont muettes. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. Et voilà des exemples avec ces verbes. Maintenant, avoir faim, un call, une phrase, j'ai faim et je veux manger. Et ne fiez je ou voyez n'akul. Tantôt, ben, c'est à la carte. How le truc de mon lien, les verbes dans des phrases. 2. Ali a soif. Et ne fiez la tâche, a soif. C'est pour cela, c'est pour cela qu'il veut boire de l'eau par exemple. 3. Nous dormons à minuit. Et en fin de compte, je vais vous dire au revoir et à bientôt.